soit dans les gares, soit à la gare du Nord. S'il y a des banques qui sont ouvertes, ben, je dors dans la banque. Quelques mots pour expliquer son quotidien et surtout une oreille attentive. Ils sont plusieurs ce matin à venir chercher un peu de chaleur humaine au foyer de Skarbek, des habitués comme Michel et César. Je viens chercher beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Je viens chercher beaucoup de compassion parce que il y a des gens qui nous comprennent. Un peu de chaleur, un peu de réconfort, quoi. Et en plus, comme je connais déjà certains amis. Des têtes connues comme Patrick, bénévole de la première heure. Ces dernières années, il a vu le nombre de bénéficiaires augmenter et la population changer. L'année passée, on a eu la surprise d'avoir pratiquement tout le parc Maximilien qui a déboulé au chauffoir. Donc c'était un peu différent. D'abord, beaucoup de monde. On était un peu frustrés d'ailleurs de pouvoir prendre moins de temps avec les gens, mais on a géré. Ici, les bénéficiaires peuvent profiter d'un café ou d'un bol de soupe. En plein plan hiver, le chauffoir de Skarbek propose lui un accueil en journée dans un tout nouveau local, un aspect encore peu couvert dans le nord de la capitale. Au niveau du dispositif hivernal, la nuit est assez bien couverte. Par contre, en matière de journée, les gens quittent assez tôt le centre de nuit, 7h30, 8h. Et puis la journée, ils sont dans la rue, il fait froid, ils ont faim. Donc on s'est dit, au moins en hiver, on va assurer effectivement cette fonction de pouvoir les mettre au chaud pendant la journée. Le chauffoir est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h, et ce, jusqu'au 30 mars.